empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get up. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin dans un nouveau vlog. Oui, c'est une catastrophe les vidéos cet été, avec tout le monde à la maison, Cédric à la maison, c'est trop compliqué. Aujourd'hui je vous reprends, on est mercredi, non jeudi. Je suis toute seule avec Léna, mais Léna je vous la montre pas parce qu'elle est juste en petite culotte. Il est à peu près 11h moins le quart, Liana dort toujours parce que figurez-vous depuis qu'elle fait ses nuits, elle dort énormément. Voilà, tout simplement. Alors là, mon programme de la journée, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la marque de bijoux que j'aime énormément. Donc je les ai reçus il y a quelques jours, donc comme d'habitude quand je les reçois, je les teste derrière. Voilà, elle est juste là, je n'en montre pas plus. Donc j'ai donné à vous voir, allez, je vais aller me caler 2 secondes d'or. Parce que hop, voilà, avec elle, autrement vous allez entendre qu'elle. Je teste toujours un petit peu les bijoux quand je les reçois. Donc je vais vous les montrer tout à l'heure. Là mon programme de la journée, c'est que j'ai attaqué un nouvel album. Vous le savez, j'avais reçu il y a quelques temps, j'avais commandé des papiers bébés. Donc là j'ai attaqué l'album. Je vais vous mettre une séquence dans cette vidéo parce qu'en fait l'autre jour quand je l'ai attaqué l'album, c'était le soir et j'ai filmé vite fait le soir. Donc je vais vous l'inclure dans cette vidéo, je vous dirai à quel moment. Je vais vous montrer un petit peu l'album. J'ai tout rangé, tout le baptême, etc. Parce que le baptême est passé, je vous en ai fait une vidéo. Alors le son a été enlevé. Pourtant j'avais mis une musique libre de droit, mais ça a supprimé la musique, c'est pas grave. Je vais la laisser comme ça sur YouTube. Ça s'est très 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 bien passé, c'était juste génial. Donc voilà, donc j'ai tout rangé, mon billard est nickel. Si ce n'est que là j'ai reçu des collabs. Donc du coup je vais les faire cet après-midi, les collabs, pendant la sieste des petites. C'est pour ça que vous allez me voir comme ça pendant quelques vide. Et voilà, je vais recommencer à faire des albums. Donc là je fais l'album des petites, je le fais pas en tuto hein. Par contre je le fais vraiment pas en tuto. Si plus tard on voudra un tuto, je le ferai, il n'y a pas de souci. Moi de toute façon, à la fin du mois Cédric reprend le travail et les petits reprennent début septembre, donc après pour filmer ça sera beaucoup mieux, malgré que j'ai quand même Chloé à la maison à partir de septembre, parce que Chloé est suivie par une agence, etc. Bon bref, je vous en parlerai en temps et en heure parce qu'ils vont lui faire faire des stages et après ils lui trouveront une formation. Mais on a rendez-vous le 7 septembre. Voilà, donc là pour l'instant on n'a pas plus, on a déjà eu un rendez-vous, on en aura plus tard. Donc voilà, Chloé sera là, mais bon, pour filmer les tutos c'est pas grave si elle est là. On a fait la rentrée aussi des loulous, c'est tout terminé, on n'attend plus qu'à recevoir les dernières choses, mais tout est dans mon salon, c'est carnage. Voilà, j'essaye de vous dire un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis voilà, mais quoi qu'il arrive, cet après-midi je vais faire des vidéos, je vais faire les montages parce que j'aimerais bien vous les publier cette semaine, parce que moi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur ma chaîne cet été et j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça clairement. Et je pense que, pas aujourd'hui mais demain, je recontinuerai un petit peu l'album. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire des vidéos, comme ça moi je suis tranquille pendant 2-3 jours. Et je recommencerai un petit peu les vlogs de temps en temps, sachant que là il y a Cédric, mais une fois que Cédric reprend le travail, les vlogs ils reviendront un petit peu plus souvent. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire maintenant, je vais vous couper, je vais couper cette séquence maintenant et je vais vous mettre avec la séquence tout simplement de l'autre soir où j'ai attaqué l'album, et je vous retrouve après du coup pour vous montrer les bijoux, parce que je veux vraiment vous les montrer maintenant tant que je suis à peu près au calme, parce qu'après avec les petites c'est un petit peu compliqué. Et après voilà, je vous retrouverai quelques fois dans la journée et puis voilà. Allez, si vous voulez suivre le vlog, c'est parti. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started.
Donc du coup, les bijoux que j'ai reçus, hein, vous êtes habitués, je suis en collab depuis beaucoup de temps maintenant avec cette marque-ci. Donc là, j'ai pu recevoir 3 bijoux. Comme d'habitude, je choisis toujours 3 bijoux. C'est toujours moi qui choisis ce que je veux. Et ça, c'est juste génial. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien de la boutique. Je vais vous mettre le lien également des produits que j'ai choisis et surtout du code promo, parce que j'ai le code promo qui est valable qu'une semaine. Si vous voulez profiter du code promo, c'est le moment, parce que voilà, il dure qu'une semaine. Donc quand on ouvre, je vous mettrai aussi une vidéo sur TikTok et sur Instagram. Si vous voulez aller voir, je vous aurai fait une petite vidéo aussi sur les réseaux. C'est arrivé dans des petites pochettes. La première des choses que j'ai voulu tester, c'est ces boucles d'oreilles là, parce qu'elles sont juste trop belles. C'est vrai que des anneaux comme ça, j'en ai jamais. C'est vrai que j'en porte jamais. Donc ça, c'est des boucles en plaqué or. Donc c'est les 5 cm. Elles font 52 €. Donc les boucles d'oreilles que je porte là, elles viennent aussi également de la boutique. J'en avais d'autres, mais malheureusement j'ai perdu un des diamants. J'ai remis celle-là, mais moi celle-ci c'est mon réel coup de cœur. Je les adore, ces boucles. Donc là du coup je vais tester de mettre celle-ci. Voilà, regardez, ça change. Ça change et j'aime plutôt bien. Voilà, donc c'est des 6 cm. Elles sont très grandes. Donc c'est les simples, et vous m'excuserez parce qu'il y a Léna qui joue à côté. Alors moi je vais pas la mettre ailleurs pour faire la vidéo. Après, j'ai choisi 2 bagues que je porte déjà, parce que je vous l'ai dit, je teste les bijoux depuis quelques temps. La première que je vais vous montrer, donc c'est en plaqué or, c'est la Promise. Je l'ai pris en 50 et elle vaut 57 €. C'est cette bague-ci. Voilà, elle est juste splendide. C'est celle-ci. Voilà, elle est trop canon. Elle est trop belle. Et pareil, elle est arrivée dans un petit pochon. Et celle juste à côté, c'est une aussi qui vient de la boutique que j'ai reçue. Donc c'est l'éblouissante en taille 52, elle fait 49 € et elle est un petit peu plus fine, c'est celle-ci. Voilà, hop, regardez, il y a des petits diamants. Voilà, vous les voyez de toute façon très bien les deux. Alors moi j'ai décidé de les mettre les deux à côté. Vous voyez, la deuxième que j'ai reçue, c'est celle-ci. Trop belle, franchement je kiffe le rendu. Et toutes les bagues que je porte viennent de leur boutique, le collier également, et du coup les boucles d'oreilles. Donc comme je vous ai dit, en barre d'infos je vous mets tous les liens, et je vous mets aussi le code promo, parce que comme je vous ai dit, il est valable qu'une semaine. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir ou un petit cadeau, quand vous recevez votre commande, vous avez toujours la petite facture avec. Et ça, c'est juste trop cool. Moi je suis en collab avec eux tous les 2 mois, et franchement je suis fan. Alors là je vais tester pendant quelques jours du coup les gros anneaux. Après je remettrai les autres, parce que comme je vous ai dit, les autres c'est mes coup de cœur. Mais là j'ai envie de tester un petit peu les anneaux. Donc vous allez voir dans les futures vidéos, je les aurai et je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas là, ça fait 10 jours à peu près que je teste les bagues. Donc j'ai tout essayé, je fais le ménage avec, je me lave avec, je ne les enlève jamais, elles n'ont pas bougé. Vous voyez, elles n'ont vraiment pas bougé, elles n'ont pas perdu leur couleur, etc. Je suis trop fan. Bon, c'est parti, j'ai filmé mes 2 vidéos parce que Noé m'a gardé les petites. Donc maintenant c'est bon, c'est fait, cet après-midi ça sera montage. Et maintenant il est l'heure d'aller faire le repas. Voilà, et ce que je vous disais, c'est que tous les trucs de la rentrée, on a commencé les bacs à les préparer derrière, bon bref, etc. C'est tout là, et après on a fait des grosses commandes sur Shein. Voilà, sur Shein. Oui, je vais m'asseoir. On a fait des grosses commandes sur Shein. Elle a du boudoir partout. Voilà, je vous la montrerai, parce que maintenant, non, je ne vous la cache plus. Regardez ses cheveux. Regarde, hop, fais voir tes cheveux. Olé. Ouais, on a fait des grosses commandes. Donc j'ai fait des commandes pour tous les petits, même pour Chloé. Même si Chloé, elle n'a pas de rentrée des classes officielles pour l'instant, parce que voilà, je vous expliquerai les démarches qu'on a faites, etc, etc. Mais voilà, j'ai tout pris. Normalement on a tout, sachant que là on a récupéré la trousse de Lola et son sac, parce que c'est des ispac, que ça soit trousse et sac, elle veut pas les changer. Donc on va juste les laver pour qu'ils soient bien propres. Et puis voilà, il me restera les bijoux à acheter. Et Chloé, bah, ses chaussures. Et voilà, Mathis, c'est bon, a ses nouvelles chaussures aussi. Donc bah, tout est ok. Voilà, c'est une bonne chose de fait, parce que après le baptême, je m'étais dit, il faut faire la rentrée. Et c'est bon, c'est terminé. Après, de toute façon, il leur reste encore une partie s'ils veulent pour eux. Donc si au cas où ils veulent d'autres choses, et ben ils pourront les avoir. Je vais aller vider mon lave-vaisselle, le remplir, me mettre de la crème, parce que j'ai des plaques d'eczéma. Je pense que c'est presque. J'ai des plaques d'eczéma sur les pieds, donc j'ai acheté une crème exprès, donc je vais aller me la mettre. Bon, il est un petit peu plus tard, je suis dans mon garage. Oui, dans mon garage. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Regardez le cercle.
bon, c'est un peu le bazar, hein, que j'avais eu pour mettre le gâteau devant. Alors attendez. Ouais. Parce que ça, il faut que je lui rende. Bon, je pensais que je pouvais le garder, mais apparemment non. Donc du coup, voilà, c'était un magnifique cercle. Bon, bref, je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai fait mes deux montages. Donc le montage de Temu, le montage de Shein. Et je me suis rendu compte, en fait, dans tous les montages, en fait, je vous avais préparé un vlog il y a peut-être 3 semaines et je ne l'ai pas publié. Donc dedans je vous publiais, enfin je vous parlais des culottes que j'avais reçues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous l'inclure ici dans ce vlog, parce qu'il faut quand même que je vous montre ce que j'avais reçu. Donc je suis pas habillée pareil, etc. Mais je vais vous le mettre dans ce vlog. Et en fait je vous disais que j'avais reçu, donc ça c'est moi qui ai commandé, ce n'est pas du tout un partenariat. En fait j'ai reçu, c'est de la marque Yuji, j'ai passé une commande parce qu'en fait Liana, depuis sa diversification alimentaire, manger très peu, les petits pots, je gaspillais tout. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, les refaire chauffer ou alors les peser, etc., c'était pas mon truc. Et en fait, je suis tombée sur un TikTok d'une personne qui avait passé commande Yuji. Donc, Yuji, qu'est-ce que c'est? C'est une marque en fait alimentaire de bébé, donc pour tous les mois, à partir de 4 mois. Et en fait, c'est des galets, la quantité qu'il vous faut en fait pour lui donner à manger. Alors, je vais continuer Yuji parce que c'est génial. Mais moi maintenant, Liana mange des grosses quantités. Elle a attaqué les morceaux, etc. Ça a été radical. Hein. Là, elle a une évolution comme Lena. C'est un truc de fou. Liana, c'est un truc de fou aussi. Bref, et en fait, je voulais vraiment vous en parler parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce concept-là. Donc comme je vous ai dit, en fait c'est des palets et en fait ça se présente comme ceci. Voilà, donc là moi il me reste panais, il me reste petit pois, il me reste patate douce et j'ai également potiron. Il y a juste carottes, j'en avais pas acheté. Alors j'ai encore deux sachets, trois sachets neufs. Et en fait ça se présente, j'ai les doigts propres, j'ai fait exprès, ça se présente dans des palets comme ceci. Les palets font 20 grammes. Donc ça c'est tout. Légumes, vous avez d'autres légumes de toute façon, si je ne dis pas de bêtises, ils ont tous les légumes. Et après, ce que je trouvais ça génial, c'est qu'en fait vous avez des boîtes comme ceci et vous avez exactement la proportion qu'il vous faut pour votre enfant en fonction de l'âge. Donc là par exemple, moi j'ai poulet haché et c'est tout congelé, donc je vous montrerai après comment je me suis organisée. Donc ça c'était le poulet, vous avez le veau haché, sachant qu'il existe aussi après avec des morceaux. Là c'est que du haché que j'avais acheté, du saumon haché également, du colin haché et du bœuf haché. Donc je vous montre. Moi, en fait, là, c'est mes légumes. Voilà, mes légumes congelés ici. Et en fait, là, c'est tout le bac. Alors, il était plein. Voilà, il était plein. Bon, ça, j'ai quasiment... j'en ai encore deux neufs. Et les autres, il me reste une plaquette. Et après, ici, c'était plein. Mais à force de m'en servir. Et ce que j'ai trouvé génial avec cette marque-ci, c'est que c'est moi qui dose la quantité. Par exemple, Liana ne mange pas énormément les petits pois. Les petits pois, elle n'aime pas trop. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute plus de carottes, plus de... Enfin, des carottes, j'en ai pas. Plus de potirons, plus de paniers, etc. Et je mets une ou deux palets à l'intérieur de petits pois, comme ça l'habitue quand même à manger le petit pois tout en mangeant le petit pot classique. Par exemple, moi en ce moment elle mange des 200 grammes, donc je mets plusieurs palets, je varie et je mets un coup du poisson, un coup de la viande, hormis le soir. Le soir elle a pas de viande, elle a juste soit des pâtes, etc. Parce que comme je vous ai dit, maintenant elle mange beaucoup de morceaux, donc quand j'ai du riz, quand j'ai des pâtes, j'y rajoute dans les préparations. Et j'y mixe juste un petit peu parce que elle commence à s'habituer. Alors là pour l'instant moi j'ai pris comme ça. Je vais acheter quand j'en ai plus ou quand j'arrive à la fin. Il faut savoir que la livraison ça prend à peu près 4 jours. Alors c'est pas du tout une collab. Moi je vous parle parce que je le teste et je trouve ça génial. Oui j'ai une réduction pour vous, je vais vous la mettre en barre d'infos. Vous avez une bonne réduction et c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est surtout que moi je peux varier tous les goûts. En fonction, si j'achète plein de légumes, je varie moi. Alors oui, vous allez me dire, Charlène, tu pourrais faire les petits pots. Clairement, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Vous le savez que moi, les 6 enfants, c'est moi qui les gère quasiment toute l'année, toute seule. Cédric n'est jamais là, donc voilà. Je peux pas me permettre encore de faire des petits pots. J'ai pas que ça à faire
Voilà. Et puis là, c'est des très bons produits parce que c'est du bio. Et ce que j'aime, c'est que si un jour je vois qu'elle a plus faim, eh ben, je vais lui donner peut-être 220, 240 grammes. Et les jours où je vois qu'elle n'est pas traque, etc., j'y donne que 150 grammes. Voilà. Et ça m'évite de gaspiller les petits pots. Alors oui, après les petits pots, je pouvais aussi les peser. Mais non, là, je sais que le nombre de galets, les galets, ça fait 20 grammes. Et les petites portions de viande ou poisson, c'est exactement la portion qu'il faut pour la petite. Donc franchement c'est trop trop cool. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos je vais vous mettre le code promo que j'ai, même si je suis pas du tout en cola parce que c'est moi qui l'ai acheté avec mon propre argent. J'ai un code promo pour vous, et moi je sais que quand j'ai passé commande, j'ai pris le code promo d'une dame, enfin une dame, une fille que je suis sur TikTok, parce qu'en fait ben, ça vaut le coup quoi. Et là ça fait, alors j'avais 4 paquets en plus de galets. Et niveau poisson, etc., légumes, c'est bon. Enfin, niveau poisson et viande, j'en ai pas racheté. Mais j'avais 4 paquets en plus. Et vous voyez ce qui me reste. Sachant que ça fait, entre guillemets, un mois et demi que je suis sur la marque Yoji. Donc, franchement, c'est trop top. Et par exemple, je vais vous dire combien ça fait parce que je sais plus. Bon, après, je les ferme. Vous avez 24 palets là-dedans. Voilà, donc après à vous de juger en fonction de vos enfants. Mais je voulais vraiment vous en parler, prendre le temps de vous en parler. Parce que moi, depuis que j'ai ça, je rachète un petit peu des petits pots de temps en temps pour quand on part, etc. Mais quand je suis à la maison, je me sers plus que de ça parce que c'est génial. Voilà, le fait de lui mettre ce que je veux sans faire moi la nourriture, c'est trop top. Allez, bon, moi les montages c'est terminé, les petites sont à la sieste, là je vais aller me poser un petit peu, et puis après je clôturerai ce vlog parce que je vous aurai mis la séquence de l'album, parce que là j'en ferai pas plus, peut-être que j'en ferai ce soir, mais je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je vlog aujourd'hui, je coupe le vlog ce soir, même s'il n'y aura pas eu trop de rush non plus aujourd'hui, on reprend petit à petit, et demain je revlog, donc ça sera un autre vlog. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine. Eh bien bonjour, on a un autre jour. Oui, je sais. Je n'ai pas clôturé mon vlog hier. On est le lendemain. Il s'est passé plusieurs heures. D'ailleurs, j'ai mon beau-père qui est venu, j'ai mon frère qui est venu. On a fait plein de trucs. Là, j'ai refait mon intro, mon outro, mais vous l'aurez eu dans ce nouveau vlog. Bref, je n'ai pas. Et là, du coup, je me suis dit, mais attends, Charlène, hier, tu n'as pas clôturé. Donc, hier, j'ai très peu continué l'album parce que, en fait, je vous ai mis une séquence et, en fait, après, c'était pas possible. Les petites étaient debout, etc. Aujourd'hui, je ne préparerai aucun truc dans l'album parce que, normalement, j'ai ma soeur qui vient manger à la maison ce soir. Donc, avec ses enfants et les enfants de mon bof, du parrain de Léna, du coup. Donc là, aujourd'hui, pas d'album parce que cet après-midi, je vais aller faire les courses. Et ma tenue du jour, aujourd'hui, j'ai mis, voilà, ceci. Mais ça, vous le verrez dans une vidéo. Bref, moi, je vous retrouve dès demain dans un prochain vlog. Accessoirement, je vlog demain, mais vous l'aurez d'ici quelques jours. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.